Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle clé afin de gagner en vitalité en se reliant à son âme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à vous reconnecter à l'émerveillement. Alors, vous allez penser aux petites choses qui vous émerveillent et donc vous allez inviter ces petites choses-là régulièrement dans votre quotidien. Vous allez vous imprégner quotidiennement de ces émerveillements. Donc, c'est propre à vous, c'est vous qui allez définir ce qui vous émerveille. Mais ne restez pas généraliste, genre un coucher de soleil, un paysage, un acte de bienveillance. Non, ne restez pas généraliste. Allez dans les petits détails, parce que c'est ça qui vous émerveille, vous. C'est ça qui vient activer cette source d'émerveillement en vous et qui vous connecte à la vie, et donc à cette source de vie, à la source universelle, et donc à cette reliance à la grande conscience universelle, à votre soi supérieur, à votre âme, peu importe comment on l'appelle. Mais en tout cas, ça vous connecte à quelque chose de plus grand, de plus puissant et à une source infinie de vie. Et c'est ce qu'on cherche. Ok? Donc, par exemple, moi, ce qui m'émerveille, c'est quand je vois les yeux des gens qui pétillent, quand ils ont des prises de conscience, quand ils reconnectent avec la puissance qu'ils ont en eux, quand ils perçoivent les choses différemment. Ça m'émerveille. Ça, je me sens vraiment m'élever intérieurement. Ce qui m'émerveille aussi, c'est des petites mimiques que peuvent avoir mes enfants dans certains moments, même quand ils boudent, même quand ils s'énervent. C'est vraiment des petites mimiques, des petits mouvements sur leur faciès qui m'émerveillent et ça me fait fondre. Voilà. Ça peut être la manière dont sourit une personne qui vous est chère, la manière dont elle a de vous regarder. Ça peut être un geste particulier qu'a une personne à votre égard. Quelque chose qui vous fait fondre instantanément, qui ouvre grand votre cœur et votre regard, qui vous illumine de l'intérieur. Ça, cherchez ça. Et si vous ne trouvez pas actuellement, posez juste une intention et vous allez voir que dans les prochaines heures, dans les prochains jours, vous allez porter votre regard sur ces petites choses-là. Peut-être que vous allez vous en apercevoir rapidement ou peut-être que ce sera après coup. Donc ne restez pas généraliste, soyez spécifique. Et n'hésitez pas à commenter vos sources d'émerveillement donc dans les commentaires en dessous de la vidéo. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire et de m'émerveiller avec vous. On se retrouve demain pour une nouvelle clé.